Thank you very much. So, to continue the discussion around the digital revolution, I have the pleasure to welcome Catherine Barba, Anne-Laure Constanza, and Georges Plassat, who will talk about the digital revolution in retail. Merci, Marie. Hi, everybody. Good morning. I'm Catherine Barba. I'm a French entrepreneur and business angel, and I'm very happy to be with you. So, does any one of you do not speak English, apart from my friend Dimitris from Greece? No? Speak French, I mean? No? Because this session is going to be in French, because our guest feels more comfortable in French. However, this is going to be the most interesting session of the day. Now, three reasons for that. First reason is because of Anne-Laure Constanza. Please welcome her on stage. Anne-Laure, please have a seat. Anne-Laure, you know her, she's a French entrepreneur. She has launched a few years ago Envie de Fraise, who is the leader e-retailer for pregnant women in France. Anne-Laure is also running all the time. She has three children. She is my role model. Second reason, we are going to speak about digital transition in retail. That's really a topic I'm passionate about. How do huge companies reinvent themselves, you know, reinvent the way they work, organization, culture, to cope with the digital world. So to speak about this, we are very, very honored and pleased to welcome a great businessman who is running the biggest retailer in the world. Let me give you some figures before welcoming him. He has 10 million of customers a day. Wow, big startup. Nearly 500,000 employees, 10,000 stores in the world, 34 countries. Please welcome Monsieur Georges Plassat de Carrefour. FBI in Scotland Yard. Monsieur, c'est vous. So. FBI in Scotland Yard. Merci, merci beaucoup d'être là. D'habitude, j'imagine que vous êtes plutôt face à des financiers, non ? Une assemblée, là vous êtes face à des barbares, les entrepreneurs. Il y a les barbares et les empereurs, non ? Ça va ? Merci beaucoup. On a le plaisir de vous accueillir pour parler donc de la transformation digitale dans le retail. Et pour ça, il y a quatre sujets qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui avec vous, avec Anne-Laure. Le premier, c'est évidemment le rêve. Le rêve, les vibrations... les ambitions. Anne-Laure, qu'est-ce que tu disais quand on préparait émission ? Entreprendre, c'est fantastique. C'est fantastique, entreprendre. Mais en même temps, c'est dur. C'est comme courir un triathlon tous les matins. Donc, si on n'est pas passionné, deuxième matin, on ne se lève pas. Et donc, en préparant la conférence avec Catherine, on a pensé à vous, vos 400 000 salariés, vos 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui vous anime, Georges Plassat ? Qu'est-ce qui vous fait le matin ? Quelle est votre ambition pour vous et pour votre groupe ? Qu'est-ce qui m'anime ? Quand on voit comment je suis entouré ce matin, évidemment, je ne pouvais que me lever d'un très bon pied. Donc, ce qui m'anime, c'est ce qui est vivant. Ça, c'est fondamental. Bah, écoutez, je pense que la passion que vous évoquez, elle est dans tous les métiers. Tous les métiers sont intéressants à condition de les creuser, de les retourner, de les travailler. Et notre métier en particulier, c'est un métier d'hommes et de femmes. Vous avez cité le nombre des employés. Donc, il est vain de vouloir tirer nous-mêmes la charrue. Il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et c'est un immense plaisir quand le système fonctionne, la carburation se développe et qu'on voit les gens se développer avec l'entreprise. Donc, l'ambition pour Carrefour, puisque c'est quand même la question que vous me posiez, aujourd'hui, c'est quand même de réussir une transformation de l'entreprise dans un système multicanal. Le groupe a 50 ans. Il est dans une période de maturité qu'on appelle la middle age crisis, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a déjà pas mal vécu. Il faut être sûr que ça va continuer et qu'on sera en bonne forme. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner nos clients. On le fait depuis très longtemps. On a eu des périodes difficiles. Et aujourd'hui, on est entré dans un nouveau projet qui est le multicanal. Et ça, c'est absolument passionnant. On est déjà un acteur cross-canal en alimentaire. On fait quand même 500 millions d'euros dans le e-commerce. On en parle peu parce qu'il n'y a pas de raison. 500 millions d'euros. Oui, mais on en parle peu parce qu'il n'y a aucune raison avec ce chiffre-là de faire les malins. Mais je pense qu'on a une très bonne base.
Et l'essentiel pour nous, pour entrer dans ces nouvelles technologies, c'est de le faire après avoir refondé complètement notre dispositif. On ne peut pas se lancer dans de nouvelles choses alors que 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires pourraient éventuellement ne pas être suffisamment solides. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est sûr que pour se réinventer, refonder son entreprise, il y a un sujet qui est le client. Le client, qu'on soit une start-up ou qu'on soit une très grande entreprise, moi, ce qu'on voit, c'est que c'est l'empathie client qui fait la différence. Et moi, quand je pense à Carrefour, mais j'ai peut-être tort, je vois plutôt une entreprise très orientée chiffres, très orientée résultats. Je vois les directeurs de magasins comme des gestionnaires de comptes d'exploitation, plus que comme des passionnés du client. Vous, le client, Georges Plassa, ça vous passionne, ça vous occupe d'une place dans votre vie, et comment vous transmettez cette passion à vos équipes? Il faut pas trop de passion, parce que ça peut quand même rendre inapte à l'action. Il faut garder une certaine distance, on en a beaucoup, il ne faudrait pas qu'on se fatigue trop, mais le client, il est au cœur de tous nos métiers. Et donc, je crois que ce qu'il y a d'essentiel, c'est d'en parler moins que de faire son métier pour essayer de les convaincre et de les séduire de venir chez nous. Nous, on a une force fantastique, c'est qu'on a un réseau physique de magasins exceptionnel. Et l'avenir n'est pas réservé ou au virtuel ou au physique. L'avenir, ça sera l'association des deux, parce que c'est là que se passe la relation humaine. Le magasin n'est pas mort, vous voulez dire? Ah, ça, je pense qu'il n'est pas mort du tout. Certains le souhaitent, certains le disent, certains le prédisent, mais aucun format de la distribution n'a disparu à ce jour. Ils ont évolué, ils ont changé. Les meilleurs ont survécu, comme dans tous les métiers, mais je pense que le magasin sera au cœur du futur dans toutes ces nouvelles technologies du net et du digital. Anne-Laure, toi, le client, ce que je me demandais aussi, c'est, ça veut dire quoi mettre le client au centre? C'est une réalité chez Envie de Fraise? Alors moi, le client, donc la femme enceinte, déjà le client, c'est avant tout concevoir des vêtements qui donnent envie d'être portés. Mais au-delà de ça, c'est concevoir des vêtements qui donnent envie d'être achetés sur un écran. Nous, c'est notre contrainte depuis que Envie de Fraise est née. On est la première marque de mode digitale en France. Donc avec une contrainte forte, c'est que on a un écran, donc avec des contraintes d'imprimer, de couleurs qui ne passent pas en ligne. Donc c'est concevoir des produits, donc avoir une culture forte du produit, on fait de la mode, avec cette contrainte. Et la cliente, comment est-ce que tu l'écoutes? Tu es près de ses préoccupations, de ses envies? Enfin, vous êtes très dans le feedback? Nous, j'ai envie de très. Ce qui est fantastique dans le digital, c'est que nous, on est obsessionnels de l'analyse de la data. Donc on sait tout sur la cliente, à la différence d'une marque de prêt-à-porter traditionnelle. On a des retours sur nos produits en temps réel, donc on sait quels sont les produits qui marchent, qui ne marchent pas et pour quelles raisons. On est capable, en moins d'une heure, de modifier un patronage, de relancer une production et de faire en sorte qu'un produit revienne 15 jours en stock. Donc c'est ça aussi, être proche du client, c'est de leur apporter ce qu'elle souhaite. Bon, le client, the most customer-centric company in the world, c'est sûrement Carrefour, Envie de Fraise. Maintenant, j'ai envie qu'on parle des employés. Parce que dans la transition numérique, c'est les hommes, hein, c'est pas tellement une affaire de technologie, finalement, tout ça. C'est plutôt une affaire d'hommes et de femmes. Et moi, ce que je me disais, c'est comment est-ce qu'on passe de l'ambition à la réalité, tu vois ? Comment est-ce qu'on passe de la promesse aux preuves ? Parce que vous avez probablement une ambition très claire pour le groupe, mais comment ça descend dans les arcanes de 400 000 personnes, quoi, hein ? C'est l'exécution qui compte. On sait bien que c'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Je vais pas vous l'apprendre. L'exécution, c'est un challenge pour tout le monde. Mais je pense que l'exécution, ça passe par l'éducation, l'information. Et il faut, plus le net, plus le digital va se développer, plus la connaissance des produits par nos employés va être importante. Et donc, c'est un travail énorme, mais en même temps passionnant, parce que je crois que quand les gens connaissent leurs produits et leur métier, subitement, ils deviennent sympathiques, ils s'ouvrent, ils peuvent répondre à leurs clients. Quand ils n'en savent rien, ils s'en vont dans les réserves et ça donne le libre service absolu. Donc de ce point de vue-là, le digital va ramener les distributeurs à une réalité simple. Il faut rendre nos employés intelligents, leur donner de l'information et leur donner l'envie d'être au contact de la clientèle. C'est un gros challenge. Et bien, on vient de développer et de remettre en circuit un petit document qui est sublime, qui a été écrit par l'un des fondateurs de Carrefour dans les années 80, qui s'appelle Les Politiques. Et quand on regarde ce petit bouquin, qui est une sorte de nouveau testament de la distribution,
Il est d'une pureté, d'une simplicité totale. Et ça va permettre à l'entreprise de retrouver le plaisir de travailler à deux niveaux. Parce que pour toucher 400 000 personnes, il faut forcément qu'il y ait une reprise progressive et des stratégies et des connaissances métiers. Et on relance ça. De l'expertise accrue, du plaisir. Ah oui. Il y a un sujet qui vient beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, c'est empowerment. Le fait de donner plus d'autonomie aux salariés, parce que face à des clients qui sont ultra libres de leur choix, et quand on est dans une organisation plutôt sous contrôle, on est en décalage, quoi. Ça, c'est quelque chose que vous développez chez Carrefour. Oui, mais quand vous dites l'autonomie, la capacité d'initiative, la contribution individuelle, elle passe quand même par une connaissance des métiers. Autrement, ça devient purement et simplement un exercice de style. C'est de la télé-réalité. Ouais. Donc nous, on souhaite revenir au plaisir du métier. Voilà. On pense que nos collaborateurs auront vraiment du plaisir, se développeront s'ils ont une base métier dont ils savent qu'en la pratiquant tous les jours, ils rentreront chez eux heureux et contents. Ça, c'est nouveau, ça, non, dans l'esprit de Carrefour? Je ne crois pas que ça soit nouveau. Hein. Chez Carrefour, en tout cas. Non, je n'ai pas de commentaire à faire. Toutes les entreprises ont leurs aventures. Carrefour a été une entreprise, et ça le reste, exceptionnel, qui à un moment donné, compte tenu de sa taille, de son caractère international, de l'avènement de nouvelles technologies, d'une concurrence extrêmement frontale, extrêmement violente, c'est une entreprise qui s'est, comme beaucoup d'autres, complexifiée, stratifiée, repliée. Et bien, c'est le rôle, à chaque étape d'une entreprise, d'essayer de la faire revivre correctement. Bien sûr. Et justement, moi, je rencontrais il n'y a pas longtemps un des fondateurs de Nike aux États-Unis, et on lui disait, mais qu'est-ce qui fait que cette marque se réinvente sans cesse et réussit? Il disait un seul mot, cross-functional cooperation, la coopération entre départements, entre le siège et les magasins. Et ça, c'est j'imagine que cette coopération-là, c'est aussi un mot-clé chez vous. Ben oui, c'est la notion d'équilibre entre des objectifs partagés et la capacité des équipes ou des individus d'amener leur contribution pour que tout ça ne se sédimente pas, ne se fiche pas, et que chacun amène sa personnalité. Alors c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire. Et vous parliez des résultats tout à l'heure. Il est évident qu'une entreprise de notre taille, comme toutes les autres, si elle fait l'impasse sur ses résultats, malgré toute sa bonne volonté, elle ne durera pas longtemps. Donc tous ces équilibres-là doivent être compris et développés. Mais ce qui compte, c'est quand même le plaisir, non ? Bien sûr. Hein ? C'est la même chose dans les petites entreprises, hein, Anne-Laure, j'imagine, aussi. Ouais. Le plaisir, l'autonomie des salariés. Comment ça se passe avec les employés chez Envie de Fraise ? Nous, notre défi quotidien, c'est de cibler et de fidéliser les femmes enceintes. C'est un sport ultra difficile. Donc, parce qu'elle ne le reste pas longtemps. Moi, un de mes focus depuis 7 ans, c'est ça ? Un de mes focus depuis 7 ans, c'est de faire en sorte d'affiner tous les process pour arriver à produire un vêtement entre le moment où il est dans ma tête et il est en stock, en 15 jours. Donc, développer une forte culture d'agilité dans l'entreprise. Et pour ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner évidemment beaucoup d'autonomie aux équipes, leur laisser prendre des risques, il faut qu'elles prennent de l'initiative. Mais la difficulté, c'est aussi qu'il faudrait être très focalisé. Donc, la difficulté, c'est donc trouver le bon équilibre entre le focus de l'entreprise et la liberté créatrice des gens. Mais moi, mon obsession, c'est la non-décision. Pour moi, la non-décision, pour moi, c'est la gangrène de l'entreprise. Donc, tout doit être porté sur l'action. On fait de la fast fashion, donc on doit être sur la fast décision. C'est laisser la liberté des gens et décider vite. C'est bien ça, ça fait envie. Un autre sujet que je voudrais aborder avec vous maintenant, c'est l'innovation. Parce qu'évidemment, la transition digitale, c'est aussi, on se réinvente, quoi. On est face, comme je vous disais, à des barbares qui modifient, qui bouleversent les modèles économiques, toutes les règles. Et ce que je me demandais, c'est, dans une très grande entreprise, est-ce que c'est chaque personne qui doit réinventer son boulot, son métier, ou est-ce que cette innovation, elle peut finalement pas se faire ? Est-ce qu'elle peut se faire sans les start-up qui, aujourd'hui, bousculent les règles ? Comment est-ce qu'on innove dans un grand groupe comme Carrefour ? Grosse question, ça. Hein ? Ben, c'est une énorme question. D'abord, le mot réinventer, réenchanter, je m'en méfie beaucoup. On a entendu beaucoup de gens qui voulaient réenchanter ou réinventer. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas une décision qu'on prend. Hein. C'est beaucoup plus un état d'esprit. La deuxième chose, c'est que dans une entreprise importante, c'est moins le cas chez Envie de Fraise, elle est importante en notoriété, en qualité de résultat. En 40 personnes, 400 000. Voilà. C'est ça. Bon. 40 personnes, 3 enfants, etc. Donc, je dis, c'est
beaucoup plus évident dans les petites entreprises qui se constituent de faire appel à des personnalités pour qu'elles s'épanouissent que dans un groupe comme le nôtre. Alors, le sujet est toujours là. Ce que vous appelez la réinvention, le réenchantement, etc., c'est une action de tous les jours. Donc il faut une forme d'état d'esprit, une dynamique qui permette à tout le monde, au fil de l'eau, en exerçant son métier, de déboucher sur des choses nouvelles qu'on va être capable de transformer. Parce que la réinvention ou le réenchantement sans transformation durable, c'est un moment de happening qui est formidable et qui peut se produire d'ailleurs dans la vie sociale de l'entreprise, mais qui ne va pas forcément la développer. Deuxième chose, les start-up. Eh ben, les start-up, on va commencer à les regarder maintenant, hein, parce que je vous ai dit, on a refondé un peu la société. Je suis convaincu que pour Carrefour, un environnement de start-up bien pensé, qu'on laisse vivre, il ne faut pas les mettre dans les pattes des éléphants cinquantenaires de la société, parce qu'ils vont se retrouver très vite lapidés ou broyés par des gens qui n'en comprennent pas l'intérêt, mais on va se lancer dans une politique d'appui et de soutien aux start-up. Parce que je pense que même si notre système multicanal va être assez central, il va tourner autour du smartphone, hein, on est en train d'y travailler, même si ce système va être relativement piloté par l'informatique et des technologies centrales, il faut que la société soit environnée de petits ludions spécialisés qui vont nous éviter de retomber dans la sédimentation dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est le moment. C'est le moment. Moi, je suis convaincue, au-delà de la relation étroite avec les start-up, et c'est une bonne nouvelle là, que vous nous donnez, là, hein, que vous allez vous en entourer. Ben, je sais où je suis, là, aujourd'hui. Mais oui, c'est donc, bien. Bien vu. Non, moi, j'ai la conviction qu'en fait, tout ça, vous parliez d'état d'esprit, ça part quand même du PDG, tout ça. Hein, ça parle de la tête. C'est vous qui impulsez ça à l'ensemble, non? Du COMEX, des équipes, non? Vous, qu'est-ce que vous avez changé dans votre façon de travailler depuis que le digital est vraiment là, si vous deviez dire une ou deux choses? Sincèrement... Question piège. Non. Moi, je suis d'une génération qui n'est pas celle du digital, mais je l'apprécie, je la comprends. Et il y a des gens chez nous qui travaillent sur ce thème. J'espère qu'ils travaillent avec beaucoup d'indépendance, mais une indépendance bien maîtrisée, parce que le multicanal, multiformat, ça demande quand même une certaine discipline pour s'exprimer correctement. Mais le digital nous passionne tous. Je pense que l'avenir n'est pas purement digital. Il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus. Et moi, je ne me laisse pas embarquer dans un système qui s'auto-promeut avec une démultiplication des investissements et des risques partout. Non. Mais le digital, c'est peut-être le nouveau sang des entreprises. Alors, il y a du bon sang, il y a du mauvais sang. Je n'ai pas envie de me faire du mauvais sang. Et donc, on travaille tranquillement et progressivement sur le digital pour qu'il n'y ait pas d'overdose. Ouais. Il y a un risque d'overdose. Ouais. Je pense que vous avez raison, l'avenir il, ah est, oui, à l'union des, voilà. Il est à l'union des deux mondes. Quoi. C'est, on a réalisé que ces deux mondes ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Le digital sans le physique sans le digital, c'est ça, ce vers quoi vous allez finalement. On va là où on pourra aller. Hein, c'est mais, bien. Mais moi ce que je pense sincèrement, c'est que ça va bouleverser beaucoup de choses. Ça bouleversera moins de choses qu'on ne le dit et plus qu'on ne le souhaite. Et la réalité, c'est que je ne vois pas pourquoi demain, le digital ne serait quelque chose d'autre qu'une nouvelle version de nos relations avec les gens, en général, et avec les clients. Mais il ne faut pas basculer high speed, high level dans toutes ces technologies. D'ailleurs, quand on regarde des acteurs mondiaux, qui sont remarquables, aujourd'hui, ils vendent surtout l'avenir. En ce qui concerne les résultats concrets, ils sont quand même difficiles à appréhender. Ça, c'est plus de la poésie que des mathématiques. Quoi. Ça peut être de la poésie, tout à fait, oui. Et la poésie est importante. Mais de très gros acteurs aujourd'hui n'ont pas montré leur capacité de délivrer des résultats. Alors, ils font beaucoup de cash. Mais quand on fait du cash, il faut savoir que le cash, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Parce que ça dure en général moins longtemps qu'on le croit. Ouais, on parle d'Amazon, là. Celui dont on ne dit pas le nom, vous savez, comme dans Harry Potter. Comme dans Harry Potter. Et ah. Ama. Harry Potter. Oui, non, c'est moi, des trucs d'enfance. Moi, j'ai envie de fraises. Non, envie de fraises, voilà, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ce que je voulais dire, peut-être qu'on peut faire un petit... Anne-Laure, toi, tu voulais rajouter quelque chose sur l'innovation? Est-ce que c'est difficile aussi, dans une petite entreprise du digital, de continuer à se réinventer? La première source d'innovation, chez nous, c'est la curiosité. Moi, je suis une nature hyper curieuse. Je suis partie à 18 ans, j'ai tout plaqué. Je suis partie en Chine, je m'y suis installée pendant 10 ans, parce que je voulais comprendre. La deuxième source... C'est que dans le digital, on est avec une sorte de remise en question permanente. À la différence d'une marque dans le monde traditionnel,
Dans le digital, tout peut s'arrêter demain. On est avec cette idée que tout peut s'arrêter. Google peut changer son algorithme. Et ça, c'est quelque chose d'hyper grisant. Et la troisième chose, c'est la prise de risque. Comment ne pas avoir peur? La peur de demain tue l'innovation. Et donc, chez nous, chez Envie 13, on investit des centaines de milliers d'euros chaque année dans des projets auxquels on croit, qui nous permettent, qui sont voilà, des idées qui vont faire, qui sont au départ petits, mais qui sont probablement demain beaucoup plus gros. Donc, c'est donner sa chance aussi à des projets et tuer, évidemment, quand ils sont pas bons. Mais voilà. Formidable. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Georges Plassa ou à Anne-Laure Constanza sur ce sujet de la réinvention? C'est l'occasion, hein. C'est une chance inouïe qu'on a. Profitez-en, saisissez-la. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient passées sur les réseaux. En tout cas, non? Une question? Ah oui, c'est intimidant, je sais, hein. Non, mais c'est pas indispensable. Hein. C'est pas indispensable. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que pour rendre concret ce que vous avez dit là sur la nécessité d'échanger avec les start-up, hein, que les empereurs et les barbares travaillent ensemble, on s'est dit que ce serait une bonne idée de vous kidnapper encore un moment pour vous faire rencontrer quelques start-up. Les barbares, oui, hein, plaisir. Quelques start-up qui disruptent le retail. Et donc, on vous propose de rencontrer 5 ou 6 start-up dans le stand Carrefour qui vont essayer de vous convaincre et de faire un pitch devant vous. J'ai une question pour vous. C'est quoi la disruption, finalement? La rupture. Ah oui. La rupture, non, c'est ça, hein, la disruption. Donc, c'est la rupture. C'est la rupture. D'accord. Ce que disait Anne-Laure, c'est faire demain ce qu'on ne faisait pas hier. C'est aussi bien avoir un nouveau produit, un nouveau modèle économique, quelque chose qu'on n'imaginait pas faire. Et c'est ça qui est bon, non? C'est aussi pour ça qu'on se lève le matin. Bon, merci. Alors, beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous propose qu'on se retrouve là-bas. Merci.